Bonjour à tous et bienvenue sur InfoNews, la chaîne des rumeurs. Tous se retrouveront dans l'après-midi à Douchis et dans cette demeure où il a rendu son dernier souffle près de ses chiens. Le service aura lieu à la chapelle qu'il avait construite sur sa propriété. Et le choix du prêtre en charge ne doit rien au hasard. La personnalité de Monseigneur Di Falco s'est imposée. Alain, qui était mon ennemi, ne l'a demandé vivant. Je n'ai fait qu'honorer sa demande. C'est un amant lui qui avait rendu Oscar à Valérie Descartes, mais aussi à Mireille Darc, l'ancienne compagne d'Alain Delon. Ils auront ce point commun ensemble. Merci à tous d'avoir aidé la vidéo.